prochainement la sortie d'un disque consacré à l'œuvre pour guitare de Maurice Ohana. Le Tiento, sa première œuvre écrite pour cet instrument. Le concerto 13 Graphicos, dans une version faite maison. Ensuite, les deux grands cycles pour guitare à 10 cordes, Si le jour paraît, Le cadran lunaire, et Anonyme 20e siècle, ultime œuvre écrite pour deux guitares. Ce disque sortira sous le label Scarbo, avec pour le concerto au piano Caroline Crène, aux percussions Romain Robine et David Joigneau, moi-même à la guitare, et pour ce qui est du duo, Delphine Coulon. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'année 2022 pour la sortie de ce beau projet, l'œuvre intégrale pour guitare de Maurice Ohana, produit par le label Scarbo.